Tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. On va continuer la campagne militaire. Nous sommes à la mission 10 et on va commencer à entamer les hostilités contre le serpent à Caleduc de Beauregard qui a perdu un œil. C'est parti. Mission 10, la chasse au serpent commence. Vous avez abrégé le supplice du premier de ces résidus de tyrans. Réjouissez-vous, mais prenez garde. Cette vermine n'est pas toujours aussi inepte. Des défis de plus grande envergure se profilent à l'horizon. C'est le serpent lui-même qui a jeté un piège à votre père. Ce piège lui a coûté la vie, et il est temps pour nous de nous venger. Prenez le commandement de mon armée principale pour le pourchasser. Pendant ce temps, Lord Woolzac ouvrira un second front. Les hommes du serpent ont commencé à construire un château dans le comté voisin. Pourchassez les quelques gardes postés à cet endroit, puis finissez la construction vous-même. Le serpent va sans aucun doute tenter de reprendre le château. Vous devrez le défendre. Ok, commencez par vous concentrer sur l'élimination des archers-ennemis lorsque vous attaquez le château. Une fois que vous aurez conquis le château, renforcez ses défenses contre les attaques du serpent. Vous êtes chargé d'évangéliser la population du château, construisez plusieurs chapelles afin d'augmenter le nombre de paysans pratiques. Ah, c'est loin. Oui, mon seigneur. Parce que là j'ai 42 soldats. Si je récupère le donjon rapidement, je peux mettre 2-3. Ah mais non, mais pourquoi il me fait ça? Vous pouvez compter sur nous. Nous partons. Allons-y. Ce sera facile. L'ennemi est vaincu. Alors déjà, ce que je vais faire. Vous ne pouvez pas installer cela ici, monseigneur. Un petit marché. Ok. Où allons-nous ? 35. Je vais attendre qu'il y en ait d'autres. Voilà. Je vais revendre le plus de bois possible ici. Ça, la troisième viendra ici. Parfait. Et là, je vais faire ma sauvegarde. On va faire le test si ça fonctionne. Sauvegarde. 9 et 25, 34. Nous rentrons. Les lapins. Voilà. Se reproduisent à une cadence alarmante, monseigneur. Nos récoltes sont menacées. Votre popularité est en baisse. C'est quoi le problème? Le peuple a des doutes sur population. Vous, sire. D'accord. Les gens quittent le château. Ah, tout pile. Vous n'êtes pas très aimé, sire. En vrai, là, avec les églises et tout, ça devrait le faire. Nous n'avons presque plus de nourriture, sire. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Un ours attaque nos gens. Ça, on sera plus emmerdé avec ça. Plus de fromage. Là, je vais essayer de racheter un peu de boue pour tenir. Un message de votre scribe. Sire Longarme est parti par bateau négocier avec les ravisseurs du roi. Les loups attaquent, monseigneur. Marchez, prêt à tirer. Mon arc est à votre service. Monseigneur, votre popularité est en hausse.
pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. On a bien joué ici. Je peux pas vendre les boisseaux de blé, par exemple, si. Pas assez d'or. Un petit peu de bouffe en plus, là. Nous aider à arriver à l'objectif. Les réserves du grenier sont au plus bas, sire. Oh, t'es sérieux, ils me font encore des buffons, là. Bon, écoute, hein. Nous n'avons presque plus de nourriture, sire. Ok, il nous manque encore 5 PU. 1, 2, 3, 4 et un 5. Allez. Bon, les 52 pop, on y est. 70, 72. 74. Un message du serpent. Que faites-vous ici? Vous ruinez mes plans, mais partez, bon sang! Bon. Solution courte, ainsi, hein, vous arrivez à faire le truc. Hop. Le peuple de ce comté a été témoin de votre victoire sur l'armée du serpent et ils vous accordent leur soutien et la direction du comté. Cool. Bon. Un peu délicat cette mission, en vrai, je pense que disperser l'armée et tout, et faire des camps autour rapidement des paysans, ça peut permettre vite d'avoir l'objectif. Hein.